Le soleil se lève sur Solstheim. Et salut à tous, c'est Raven 2800 pour cette nouvelle session, enfin, du Dragonborn. Enfin, pour vous, non, mais pour moi, oui, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à Skyrim. En fait, ma sauvegarde, pour vous dire, de ma troisième session, que vous avez vue il n'y a peut-être pas si longtemps, donc de la 15e partie, la sauvegarde datait du 8 août. Et là, nous sommes, alors à l'heure actuelle, on est le 3 septembre, voilà, c'est cool. 3 septembre, c'est génial. Donc, bah écoutez les amis, c'est parti, enfin, putain, on retrouve Skyrim, là, ça fait du bien, là, putain, j'avais bien envie de jouer. Donc avant de on va expliquer 2-3 choses. J'ai plus en tête ce que vous m'avez dit en commentaire, je suis désolé, hein, mais il faut que le rythme des vidéos continue. Mais de toute façon, je sais qu'il faut que je retourne au village Skal. On m'a donné plein d'indications comme quoi il fallait aussi que j'aille à Corberock, si je me rappelle bien. Donc on va y aller aussi. On va faire ça. On va déjà faire le truc là, à la salle de banquet. Ensuite, on va aller au village Skal. Et après, on ira à Corberock, parce qu'apparemment, il y a plein de choses à faire que j'ai ratées. Et ce serait quand même dommage de les rater. Allez, c'est parti, salle de banquet. Alors, putain, en tout cas, de retour de vacances, ça fait vraiment du bien. De bonnes vacances, là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je vous ai apporté votre choucard. Après, nous brûler. Maintenant, dernière mission. Alors, toi, Reglin. J'ai pas vraiment envie d'être un Reglin, mais bon, on va quand même voir. Nordique méchant. Disque Tyrx à eux. Vive près d'eau. Embête Reglin. Combattre. Toi fort. Toi aider. Nordique Oust. Voulez-vous que je tue des gens? Eux venir pour battre nous. Nous riposter. J'hésite. Toi combattre. Nous attendre, mais toi combattre. Ouais, participer à l'attaque. J'ai pas... On va voir. J'ai pas vraiment envie de participer. Moi, je préférerais limite tuer les Reclines que tuer les Nordiques, quoi. Donc, on va voir. Peut-être qu'on peut participer de l'autre côté du combat. Il me semble que oui, c'est ce qu'on m'avait dit, donc... Ah, bon. Parfait. On sort enfin, donc, dehors. Alors, j'avais dit, donc, bah, pour ça, on verra plus tard. Voilà, on va l'enlever. Parler à Storm. Ah oui, j'ai aussi la quête principale qu'il faudrait peut-être que je continue un jour. Est-ce que je la ferai dans cette session? Aucune idée, franchement, aucune idée. Non, c'est pas pour vous forcer à regarder absolument tout, ceux qui veulent absolument la quête principale. Mais bon, j'ai pas envie qu'après, une fois que j'ai fini la quête principale, ça y est, tout le monde se désintéresse totalement de Dragonborn. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Je dis pas que je la ferai à la toute fin. Mais là, je sais pas, pour l'instant, on va voir. J'ai des petites choses à faire à Corberock qui ont l'air assez intéressantes, donc ça m'avait pas manqué, ça allait. Hop là, les petites phases comme ça où tu sais que tu peux crever. Alors, tac. Donc j'ai des petites choses à faire. Donc Storm, je te parlerai après. Ah oui, voilà. Il y a une quête là-bas, il y a une disparition de quelqu'un. Peut-être que c'est intéressant, j'en sais rien, peut-être que ça l'est pas. Théo. Je ne suis pas d'humeur à bavarder. L'un des nôtres a disparu. D'accord, mais qui est-ce? Un scar très important, Baldor Taillefer, l'unique forgeron du village. Que pouvez-vous me dire sur les circonstances de sa disparition? Pas grand-chose. Je n'ai rien remarqué d'anormal chez lui. Quoique, maintenant que j'y pense, j'ai vu quelque chose dans les bois ce jour-là. C'était deux elfes traînant un paquet derrière eux. Ils étaient fort loin et les chasseurs sont nombreux dans la région, alors je n'y ai pas prêté attention. Un paquet. De toute façon, c'est le mec coupé en morceaux. Où est-il? Marchez en direction du sud-ouest. Si jamais vous faites de même, essayez de retrouver leurs traces. Les Skal vous en seront reconnaissants. Une nouvelle source de Stalrim. Ouh, je veux bien la faire, celle-là. Cherchez Baldor Taillefer. Bon, pour toi, là... Bon, on parlera après. Hein. La quête principale, ça peut largement attendre. Alors attends, par contre là j'ai 50 millions de marqueurs là, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah oui, j'ai ce marqueur là, le livre noir.
le livre noir, oui. Mais, bah écoute, le livre noir, ça attendra aussi. Hein. Voilà. Hop, ça attendra. Donc maintenant, il faut que j'aille par où ? Peut-être que je peux me téléporter. Ah oui, c'est... Eh, c'est un petit peu loin. On va stepper au bosquet de Brodyr et puis hop, on va y aller. Allez, c'est parti, let's go. Ah, bon. Donc au cas où vous me poseriez la question, non, je sais pas combien de temps la session va durer. Si ce sera une petite session d'une heure et demie, deux heures, ou si ce sera plutôt deux heures et demie, trois heures, j'en ai pas la moindre idée. Alors déjà, je pense que deux heures, ce sera déjà très très bien. Après, à voir si je suis en plein en train de faire quelque chose ou si un peu avant les deux heures, j'ai rien, enfin j'ai tout fini, voilà, à voir. Tout fini ce que j'avais à faire, hein, je parle. Dragonborn, ça ne se termine pas en deux heures, messieurs dames. Non, non, non. Oh, bon alors. On cherche la merde. Eh oh, ça fait presque un mois que j'ai pas déchiqueté quelqu'un, là. Oh, puis fuck. Allez, venez. Viens là, Talmor. Oh, putain, c'est... Ok, je crois qu'il est mort. Je l'ai one shot, hein, je précise. Et j'ai toujours en difficulté... paramètres, jouabilité. Pourquoi je suis en difficulté normale? Allez, on va passer en légendaire. Oh yeah, légendaire. On en profite, hein. Je me disais aussi, c'est bizarre, ça me paraissait trop simple. Bon. Alors, est-ce que... Oh oui, vous êtes un petit peu plus costaud, c'est bien ça. Très très bien. Allez, parce que vous allez mourir. Allez, viens, taste de bouillal, tel mort. Voilà, en plus je les pare à toutes les 2 secondes. Là, là vous êtes costauds. Là, ils sont vraiment plus costauds en légendaire, là j'ai l'impression de passer pour une merde. Bim. Oh, alors, ouais. Tu peux pas me laisser le temps de... Oh, c'est pas grave, Jordis. Jordis aussi, le retour de Jordis. Enfin, pour vous non, mais pour moi oui, je suis désolé. Hein, mais c'est... Clé du gîte, merci. C'est... Ah, note. Votre absence de progrès met ma patience à rude épreuve. Si vous n'arrivez pas à parler le forgeron, à faire parler le forgeron, excusez-moi, je suis très mauvais pour lire, je devrais faire appel à un autre interrogateur. J'espère que votre prochain rapport contiendra des résultats plus encourageants. Ah. Bon. On va prendre la note. On sait jamais. Soldat Talmor ou Améthyste. Bon. Ils ont rien d'intéressant sur eux quand même. Hein. C'est... Par contre, c'est bizarre de les voir en cuir et pas en... En full enfin elfique, ouais, en full elfique. Bon. Donc il doit être là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite couchette tranquille. Bon, je pense pas qu'il y ait d'ennemis. Donc le mec a dû se barrer. Vide. Putain, y'a rien du tout. Aidez-moi. Ah, si. Bon, bah, j'ai pas vu ce que t'étais, mec. Il est où? Bah, t'es où? Ah, il est en bas. D'accord, je me disais. Attends, mais il est où? Il doit être quelque part. Où est-ce que t'es, copain? Ah, il est là. Venez m'aider! Je me souviens de vous. C'est vous qui avez libéré l'escale de cette malédiction. Heureusement que le Créateur vous envoie. Ces maudits elfes m'ont enlevé de ma propre maison. Vous êtes blessé, vous avez besoin de soins. Pourquoi les Talmor vous aurait-il enlevé? Vous êtes blessé. Non, non. Mes blessures sont superficielles. À mon avis. Les elfes n'essayaient pas de me faire du mal. Ils voulaient peut-être m'effrayer. Dans le pire des cas, je m'en sortirais avec quelques contusions. Mais pourquoi est-ce que... Bah oui, pourquoi est-ce qu'ils t'auraient enlevé? Quel est le but de ces connards de Talmor? Eh, hey, j'ai envie de me battre contre les Talmor en plus. Alors vas-y, envoie tout. Les Talmor? Je ne connais pas ce nom. Mais si vous parlez des elfes, c'est parce qu'ils tentent d'apprendre à forger le Stalrim. Leur chef, un certain Ankarion, possède une carte. À ce qu'il dit, elle indiquerait l'emplacement d'un gisement secret de Stalrim. Du Stalrim, qu'est-ce que c'est? Alors le Stalrim, en fait, bah, il va vous l'expliquer, remarque. Une glace enchantée, dure comme le fer et froide comme la mort. Elle peut donner naissance à des armes redoutables, mais seuls les forgerons d'Escal savent la travailler. Donc c'est intéressant, je vais me faire, ne vous inquiétez pas, une armure en Stalrim, même si je crois qu'elle est moins puissante que la Dédric, hein, de toute façon il n'y a pas mieux que la Dédric, hein, ça fait chier, hein, je sais, mais bon. Où puis-je trouver cet Ankarion? Ils ont un navire,
C'est là qu'ils m'ont montré la carte. Vous le trouverez sur la côte nord de Solstheim. Je vous en prie, ne laissez pas Ancarion forger ses armes. Prenez-lui la carte de gré ou de force. Elle appartient au Skal. Je rentre au village. Rapportez-moi la carte là-bas une fois que vous l'aurez récupérée. Et encore merci. Que le Créateur vous bénisse. Donc maintenant il faut retrouver cette carte. Ancarion, c'est marrant, ça fait penser à Ancano, un Talmor dans la guilde des mages, qui a un rôle important. Bon, je veux pas spoiler, donc ne spoilez pas en commentaire. Mais bref, en tout cas, il est dans la guilde des... Enfin, on le voit quand on fait la guilde des mages à Fort d'Hiver. Voilà. Ah, pour la quête principale, ça me fait un peu chier de pas vous la montrer. Ça fait déjà, je crois, deux sessions que j'ai pas touché. Ah, c'est chiant. À la limite, peut-être, à la fin de cette session, je ferai un petit bout de quête principale, mais vraiment un tout petit bout, parce que, à ce qu'on m'a dit, je suis vers la fin, donc... ce serait... Bon, voilà, quoi, hein. Pas y aller par quatre chemins, hein. Donc, attendez. Parce qu'il faut quand même que je... Ouais. On va découvrir la grotte, pour comme ça, on va pouvoir stepper ici, puis peut-être y aller, remarque. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans cette petite grotte. On visite encore, hein. De toute façon, j'ai pas tout découvert ce qu'il y a ici, hein, dans Solstheim. Éperon de Givre-Lune. Halt, vous n'avez rien à faire ici. Oh, ne me dis pas que c'est une quête. Nous ne vous voulons aucun mal. Mais partez d'ici. D'accord. Eh ben écoute, on se casse. Tout de suite. On reviendra peut-être plus tard. Peut-être. Donc, maintenant, il faut aller trouver ce... Ancarion. Voilà, faut pas que je confonde avec Ancano, parce que bon, c'est exactement pareil. Donc, parler à Storm, je m'en fous. Ouais. Évidemment, peut-être... Ah non, c'est bon. Retrouver la carte. Oui, bah elle est où? Ah, elle est là-bas. D'accord. Retrouver la carte de source de Salarim, quai de la côte nord. J'ai bien fait de découvrir tous ces petits trucs durant la fin de dernière session, là. Je sais que j'avais découvert plein de trucs sans les avoir visités. Bah là, c'est l'occasion. C'est l'occasion rêvée, on va pouvoir y aller. Eh bah, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc, un petit navire. Ouais. Elle meurt un peu partout. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Je vous conseille vivement de déguerpir. Sur ordre de qui, connard? Je suis le Tovakin. Non mais oh, je dois parler à faire avec votre chef. Vous le trouverez sur le pont. Mais au moindre signe de traîtrise, c'est fini pour vous. Ah, on peut y aller librement. Bon, c'est très très bien ça. Alors, niveau cri, j'en suis où là? Allié héros draconique. Ah oui, c'est vrai que j'avais vaincu Karstag à la fin de la dernière session. C'est vrai, c'est vrai. Bon, déferlement, tant qu'à faire. Alors. Restez en dehors de nos affaires, ou je vous promets que vous le regretterez. Toi, tu fais plus rire qu'autre chose, mon pauvre. Vous êtes en train de perturber une opération Talmor officielle. Partez immédiatement si vous venez à la ville. Ouais. Partez sur le champ. N'abusez je pas. Je suis là pour la carte. Ah. Vous connaissez donc la raison de ma présence ici. Je suppose que vous avez retrouvé ce minable de forgeron. Malheureusement pour vous, ma mission doit rester secrète. Je devrais vous éliminer sur le champ pour la protéger. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer. Ça salirait ta lame. Ce serait con quand même. Hein. Ce serait con quand même. Le forgeron refuse de parler, vous perdez votre temps. Quittez cette île tout de suite ou dites adieu à la vie. Vous voulez des armes de Stalrim et je peux vous aider à en obtenir. LOL, tu peux bosser pour ces connards? Bah putain, mais qui voudrait bosser pour des enculés de Talmor? Attendez, qu'on se la mette bien d'accord. Les Talmor, c'est ceux qui... Enfin, c'est un petit peu ceux qui sont la cause du virement des Sombrages. C'est-à-dire ceux qui ont quitté l'Empire pour devenir Sombrage, s'allier avec Ulfric Sombrage pour faire la guerre civile... faire la guerre civile là-bas, quoi, je veux dire, je me souviens même plus, mais donc sur la terre de bordel ciel. Et moi, enfin, j'arrive là sur Dragonborn, comme vous voulez. Je commence à trouver ça bien, moi, Dragonborn. Et on peut bosser pour eux, pour ces enculés, quoi. C'est un petit peu comme si dans Fallout on était un gros méchant, quoi. C'est cool, c'est marrant, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. Bref. Ça. Oh putain! Partez tant que je me sens d'humeur clément. Ah putain, ta gueule! Ah, malheureusement pour vous, donnez-moi une seule bonne raison de ne pas. Quittez cette île ou dites adieu à la vie, espèce d'enfoiré!
Vous n'avez pas l'air de plaisanter. Très bien, nous quitterons Solstheim sitôt le navire chargé. LOL ! Une arme ne vaut qu'on meure pour elle. Pas même une arme de Stalrim. Tenez, donnez cette carte au forgeron. Je n'en ai plus besoin. Comment ça a marché ? Alors, on a impressionné par les couilles Raven ? Hein ? Ça qui te fait peur ? Regarde ! Youhou ! Je peux faire l'hélicoptère si je veux avec ma bite. Hein ? Ça t'impressionne ? Putain, j'ai trop envie de... Juste au cas où, hein ! Juste au cas où... Là, le regard de Jordi, genre... T'es sérieux, là ? Franchement, il va vraiment le faire ? Il va vraiment tuer ce gars-là ? Putain, le jeu a planté, non, c'est bon. Voilà, je ne mens pas, hein, le 8-08-2013. Hein ? Putain ! Allez, on sauvegarde par-dessus, et puis... parce que je sais que vous voulez du sang, du combat, de la violence... un peu de sexe aussi, mais il n'y en a pas. Donc voilà, on fait avec les boobs de Jordi, ma foi. On est un peu obligé. Hein. C'est restreint, mais bon, ça reste quand même des boobs. Allez, allez, sauvegarde en cours. Voilà. Ah, j'ai menti, enfoiré. Eh oui, j'ai menti, je suis un enculé. C'était juste pour voir si vous étiez intimidé par mes boobs. Putain, ils sont costauds quand même. Hein. Putain, le bordel. Bim. Putain, allez! Jordi, putain, ne me dis pas que Jordi, elle est déjà à terre. Ah non, c'est... je vais m'occuper de celui-là, Jordi. Parce que les arcs, j'aime pas. Putain, la vie! Ah ouais, c'est pas la même qu'en expert, hein. Mais bon, ça ne me fait pas peur. Un petit peu de défi, les amis, un petit peu de défi. Et puis ça nous permettra de faire... le fameux... Oh putain, on se pose. Je prends la pause. Voilà, ça nous permettra de faire donc... comment il s'appelle déjà l'autre enfoiré là ? Je me rappelle même plus. Le premier enfant de dragon, on le fera en... bah en légendaire, hein, ça pourrait être beaucoup... Oh ! Bouillard ! Bitch ! Allez, de l'or, c'est bon. Et l'autre il est où? Regarde-le. Tu sais, c'est genre. Ouais, mais non, en fait, je vais peut-être pas me battre. Hein, j'ai vu un glacier là-bas, on va peut-être y aller. Hein. Et en plus, il se déplace tout lentement, tu sais. Ah, Jordis, que se passe-t-il? Ah non, elle s'excite juste sur le mec. Vous ne pouvez pas l'emporter. On t'aura la flèche. Putain, c'est sérieux quoi. Je peux pas avoir un autre cri là? Putain, c'est énorme quand même. Désarmement, tu sais, je l'ai même pas déverrouillé. Attends, c'est super utile. Voilà, ça me sera utile maintenant. Avant non, mais maintenant oui, puisque c'est en légendaire, hein, je le rappelle encore une fois. Bon, Carion, t'es... Un Carion ! Eh oh ! Putain, moi je peux pas respirer sous l'eau, enfoiré, donc tu me débrouilles. Putain, merde. J'aurais peut-être pas dû le balancer. Carion, reviens! Putain, je t'ai. Je t'en cul! Ah, ça marche pas sous l'eau. Est-ce que le cri. Ah putain, je sais pas, c'est énervant. Ah, ça fait chier là, bouge ton cul en Carion, allez! Ouais, à moins que je le défonce aux flèches à la limite, mais bon, c'est pas drôle. J'ai un arc d'ébonite, ouais. Ouais. Homme pas motivé du tout. Oh putain. Un coup de Wabajack. Oh putain, je vais lui faire un coup de Wabajack. Si j'arrive à le choper. Putain. Ah, attendez. Il faut absolument que je le repère. Si seulement il pouvait revenir à la surface. Putain, il arrive. Non. Ah non, il bouge vraiment pas son cul. Hein. Oh, rien à foutre. Attendez. Si je me mets bien le curseur sur lui, à reculons comme ça. Non, que dalle, vraiment. Chier. Bon, Carion, tu m'emmerdes. T'as la flèche. Bon, bah, écoutez, les amis, je crois qu'en Carion, tant pis, il va... Oh, lui, en plus, c'est vraiment le plus méchant de tous, quoi. C'est pas possible qu'il ait la vie sauve, cet enfoiré. À la limite, peut-être que si j'attends une heure sur le rivage, il va peut-être revenir. Peut-être. Vous pouvez pas attendre tant qu'il y a des ennemis à proximité. Ben oui, mais bon.
Bon, Jordis, comment on fait? Peut-être qu'avec un autre cri... Je dois bien avoir un cri qui peut m'aider, bordel. Ah putain, mais oui! Une aura de perception. Si je... Putain, merde, je l'ai pas sélectionné. Voilà. Si j'utilise l'aura de perception avec le Wabajack, je devrais être en mesure de toucher, putain. Et Raven qui utilise sa cervelle, putain, c'est pas facile tous les jours, hein. Des fois j'y arrive pas. Wabajack. Voilà. Allez, petite stratégie. Et... Wabajack! Ça a rien fait. Ne me dis pas que ça s'annule dans l'eau! Hein? Pourquoi il y a deux trous? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le deuxième? Hein? Oh! D'accord. Je l'ai transformé en Dremora. Putain. Bon, heureusement, ça a pas duré, mais. Pff, lol, quoi. Le pire truc, moi, tu sais, j'aurais voulu le transformer en poule, j'en sais rien. Oh, putain, il faut que j'attende maintenant que le cri revienne. Je vais finir par l'avoir, hein, cet encart. Je suis désolé de perdre autant de temps, les amis. Eh ben, tant pis, tant mieux. La session durera un peu plus longtemps hein, de temps que j'ai perdu. Je suis désolé, mais bon, il faut l'avoir, cet encarion. Il faut l'avoir, cet enfoiré. Allez. Bon, au moins, on sait que ça marche. Wabajack! Connard. Wabajack! Ouh, ça fait mal. Ah, ah putain, enculé, arrête de bouger! Arrête de bouger! Yeah! Putain, il arrête pas de bouger. Ouais, allez, ça me fait chier. Ça me fait chier. T'as perdu là. Ma patience a des limites. T'as, j'ai pas de flèche? Flèche débonite. Oh non, pas flèche débonite. Flèche orque. Ma patience a des limites. Arc tendu. Mais vous allez mourir, ah oui. Bon, je sais pas s'il est encore là. On va se le faire à l'arc, tu sais, c'est en mode t'as aucune chance de t'en sortir. Ah 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 ah. Attendez, c'est quoi cette flèche? Est-ce que ce serait lui? Oh. Je sais pas du tout si je le touche. Attendez. Ouais. Ah merde. J'ai appuyé un petit coup en fait, c'est pour ça que ça a fait de la merde. Allez! Arc tendu, bim! Oh, archerie qui augmente! Ah, je le vois là. Non, c'est pas lui là, l'espèce d'ombre là? Tu t'échapperas pas, putain. Putain, mais c'est où? J'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. Non, il est là. C'est ça que vous voulez, hein? Oh putain, j'en sais rien. Yeah! Voilà, il est là, l'enfoiré. Ah oh. Allez, allez, allez. Allez, on va l'avoir, les amis. Hein. J'ai jamais mis autant de temps pour tuer quelqu'un. Ah. Vous allez mourir, oui. Putain. On le voit, on le voit. Oui. Il est blessé. Merde. Il est blessé, il est blessé. Putain, mais... Ah, il est mort. Allez, go, 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 go. Putain. J'ai un truc planté dans la tête. Putain, hop, en carriant. Robe de Talmor, tout ça pour rien en plus. Il y a rien sur lui. Bon, plein de flèches évidemment, mais. Bon. Ouf, eh bah putain, le jeu il rigole pour tout cas. Mais c'est quoi ça? Ah, mais c'est du poisson. Prendre. C'est quoi? C'est quoi comme poisson? Ah non, flèche orque. Il y a des flèches comme ça dans l'eau, bah écoute. Hein. Est-ce qu'on peut hein? Oula. C'est quoi ce... Il se passe des choses dans le jeu, regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est que ces graphismes? Bethesda, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça. Merde, les gars. Alors, c'est quoi ce truc-là qui apparaît, disparaît? Petit bec de texture. Bah, c'est pas grave. Bon. Enfin, après avoir perdu au moins bon, 10 bonnes minutes, je suis désolé. Ah, il faut retourner là? Bon. Eh ben, retournons au village Skal.